Il y a certaines choses que nous devons comprendre. L'une d'elles c'est pourquoi la prière doit être une priorité pour nous. Il y a des choses qui ne se produiront pas jusqu'à ce que nous prions. Très souvent, vous allez voir des gens traverser des choses qui ne devraient même pas traverser. Si seulement ils savaient comment prier, ils pourraient changer la situation. L'histoire nous montre tellement de choses qui ont été changées par la prière. Dieu a besoin de notre invitation dans nos circonstances. Parce que la Bible dit qu'il a donné la terre au Fils des hommes. Il a donné la terre aux êtres humains pour qu'il la gère. Et il n'intervient que sur notre invitation. Bien sûr qu'un jour viendra où il n'aura plus besoin de notre invitation. C'est quand le contrat de bail de l'homme sera à son terme. Alors viendra le jugement de Dieu. Mais pendant que le contrat est en cours, il a besoin de notre invitation. Mais en dehors du fait que nous devons reconnaître que nous avons besoin de l'inviter dans notre situation, il y a des choses qui nous donnent également l'autorité d'accomplir l'autorité de décider. Alors dans ce type de situation, tu n'invites pas Dieu à répondre, mais tu réponds en son nom. C'est là l'une des choses que plusieurs d'entre nous partout dans le monde entier ne prennent pas au sérieux, parce que cela n'est pas enseigné. Nous devons réaliser que le Seigneur nous a donné l'autorité. Souvenez-vous, il a dit l'un des premiers signes qui vont suivre. Ceux qui croient en moi, c'est qu'en mon nom, ils chasseront les démons. Les démons. Et il y a plusieurs choses qui sont causées par les démons. Mais je vais lire pour vous ici. Acte chapitre 12. La Bible dit au verset 2. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Vous vous souvenez que nous avons parlé de Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Ce frère de Jean avait été tué de cette manière. Comme c'est triste. Hérode avait commandité sa mort. Il était chrétien. Il était apôtre. Et il est mort. Hérode l'a tué. Hérode l'a tué. Pourquoi? Quelqu'un dirait, pourquoi Jésus n'a-t-il rien fait? Parce que Jésus avait donné à l'église l'autorité de faire quelque chose. On va le voir dans un instant. Hérode avait arrêté Jacques. Il a pris Jacques et l'église regardait. Je peux imaginer que certains d'entre eux disaient que rien ne va lui arriver parce que c'est un grand apôtre, Jacques à la fois. Mais Jacques avait été enlevé. Ils ont dit, Jacques, rien ne va se passer. La prochaine nouvelle, c'est que Jacques a été tué. Qui a perdu? Dieu n'a pas perdu. Jacques n'a pas perdu. Jacques est allé au ciel. L'église a perdu. Parce que le ministère de Jacques avait été raccourci. Tout ce par quoi Jacques aurait pu les bénir a été coupé. Mais c'est de cette manière que par extension Dieu perd. Parce que la raison de l'existence de cet homme n'a pas été accomplie. Sa vision a été raccourcie. Alors, lisons. Verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Regardez ça. C'est ce qui se passe tout le temps. Quand les gens du monde posent des actes contre nous. Imaginez-vous que dans certains pays où l'église avait été détruite, le gouvernement avait ordonné que certains édifices de l'église soient détruits. Et devinez, plusieurs personnes étaient contentes, très émues. Du fait que le gouvernement de cette époque avait le courage de détruire les églises. Ils ont dit oui, démolissez-les, ces gens font trop de bruit. Et quand le gouvernement a vu que cela plaisait aux gens, ils ont continué vers les plus grandes cathédrales et les ont aussi démolies. Oui, il y a des lois qui sont promulguées dans différents pays. Et certaines de ces lois sont anti-chrétiennes par nature. Anti-église, je ne veux pas dire anti-christ, parce qu'il ne voit pas cela de cette manière. Il promulgue les lois contre les églises, des lois contre les pasteurs, les ministères. Et devinez, il y a des gens qui sont contents pour cela. Jacques avait été tué et la Bible dit que cela a plu à certaines personnes. Et quand Hérode a vu que cela était agréable aux Juifs, il a décidé d'intensifier sa violence contre l'Église, sa colère contre l'Église, sa méchanceté contre l'Église. Il a aussi pris Pierre. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ton pays. Je ne sais pas quelles lois ils ont faites. Et l'Église est silencieuse. Satan prend plaisir à la division des Églises. Il prend plaisir quand les ministres de l'évangile sont divisés afin de les empêcher de prier parce qu'il sait que lorsque nous nous mettons ensemble pour prier, il n'y a rien que nous ne puissions pas faire. Il a si peur de nous. Alors la Bible dit que Hérode a poussé plus loin pour arrêter Pierre aussi. La Bible dit c'était pendant les jours des pains sans levain. Regardez le verset 4. Et après l'avoir appréhendé, après l'avoir arrêté, il avait en réalité arrêté Pierre. L'apôtre en chef était arrêté. Et il l'a jeté en prison. Et il le mit sous la garde de quatre escouades de soldats, c'est-à-dire 16 au total. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Vous voyez, il voulait d'abord l'humilier. Il va le tuer avec l'ignominie. Il va le soumettre à la honte publique. Humilier Pierre publiquement avant de le tuer. C'était son plan. Regardez ça ici. Gloire à Dieu. Il dit, Pierre don verset 5. Pierre Don était gardé dans la prison. Nous avons là un point virgule. Ce n'est pas fini. Pierre Don était gardé dans la prison. Mais! Je veux que vous voyez ce qui s'est passé là. Ça, c'est le grand mais! Mais l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Regardez ça. Mais les prières étaient adressées. Quand cette loi avait été promulguée, qu'est-ce que l'Église a fait Qu'est-ce que l'Église a fait Certains membres disaient certainement, oui, le gouvernement a dit ceci. Oh, le gouverneur a dit ceci. Oh, le gouvernement local. Peu importe. Ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Le tribunal a dit ceci. Si c'est contre l'Église, si c'est contre le progrès de l'Évangile, ne ferme pas la bouche, mon frère. Ne ferme pas la bouche, ma soeur. Pasteur, ne vous taisez pas. Convoquez une réunion de prière. Ne vous taisez pas parce qu'ils vont faire pire. Ne vous taisez pas. Regardez ça ici. Alors Pierre avait été jeté en prison. Hérode planifiait de le tuer comme il avait tué Jacques, le frère de Jacques, avec une épée. Mais l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et le jour où Hérode allait le faire comparaître, la même nuit, Pierre dormait. Oh, j'aime ça. Imaginez que vous devez être tué le jour suivant. Comment allez-vous dormir? Pierre n'était pas inquiet. Je vous l'ai dit, je peux imaginer le moment où Jacques avait été informé qu'il allait être tué à cause de Jésus. Et ils ont dit Est-ce que tu dis que tu crois en lui? Il leur a dit Allez-y, sortez votre épée. Je n'oublierai jamais ce jeune homme. On devait le brûler vif. Ils étaient prêts à mettre le feu. Et on a dit, Jean, tiens-tu toujours à ta foi Il a regardé le monsieur qui le lui demandait. Il a dit allume ton feu. Il a dit allume ton feu. Tu es en train de perdre ton temps. Allume ton feu. C'est de cet esprit que nous sommes faits. Vous voyez, certaines personnes pensent que lorsque nous traversons les persécutions, nous avons peur. Non, non, non. Ne vous y trompez pas. Il y a quelque chose dedans de nous. Celui qui en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne parle pas des personnes qui sont remplies de peur. Non. Nous sommes courageux. La Bible dit que le juste est aussi courageux que le lion. C'est ainsi que nous sommes. Nous pouvons être calmes et tranquilles. Mais quand nous sommes provoqués, oh, l'Église ne se retrouvera plus jamais dans le coin de la défaite. Plus jamais, plus jamais, il ne cessait d'adresser des prières. Et la Bible dit verset 6, si la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre dormait entre deux soldats, liés de deux chaînes et les sentinelles devant la porte. Pensez-y, les soldats ne dormaient pas. Pierre dormait. Il dormait entre deux soldats. Il ne pouvait pas dormir. Et vous imaginez qu'il pouvait être étonné. Mais cet homme va être assassiné le jour suivant. Et il dort. Il dort. Vous comprenez maintenant pourquoi on nous a dit, regardez comme un sujet de joie les épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Regardez comme un sujet de joie. Il n'avait pas oublié ce que le maître lui avait dit. Je suis avec toi tout le temps, même jusqu'à la fin des temps. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Non, nous n'avons pas peur. Il dormait parmi deux soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint. Une lumière brilla dans la prison. Il frappa Pierre au côté. Il lui a dit Lève-toi promptement. Et ces chaînes, et ces chaînes, j'aime ça. L'ange n'avait pas fait quoi que ce soit avec les chaînes. À sa parole, les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées.